Eh bien bonjour tout le monde, c'est Momo, comment allez-vous? Moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour, mince mon stuff, j'ai oublié mon stuff, pour le deuxième test des champions de League of Legends. Donc là on se retrouve pour le test de Nocturne, voilà. Donc c'est un spectre, c'est une ombre, voilà, c'est un perso, c'est un champion. Donc avant de commencer, je tiens à dire que j'enverrai cette vidéo à 3 chaînes communautaires. Vous allez me dire, mais il est fou, mais oui, je suis fou. Et oui, pourquoi 3 chaînes communautaires? Bah parce que voilà, j'ai envie de me faire connaître. Il y a plusieurs, déjà plusieurs chaînes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien mes vidéos et tout ça. Donc voilà, ça me donne encore plus envie de me faire connaître. Parce que ça prouve voilà qu'ils aiment bien, qu'ils trouvent que je fais pas du mauvais boulot. Et donc voilà, donc les chaînes ce seront Session Gamer 05, Community Tu peux les faire et AnyTeams Games. Donc je mettrai leur lien dans la description. Et en parlant de ATG, donc AnyTeams Games, et ben je leur remercie d'avoir accepté le premier test que j'ai fait sur Miss Fortune. Donc si vous l'avez pas vu, ben je vous invite à aller voir. Et donc en parlant aussi de cette vidéo, j'ai vu qu'une certaine personne donc, qui s'appelait Panzer825 avait mis un commentaire pour savoir si... Oh tiens, une petite Miss Fortune. Pour savoir si je pouvais faire le test de Maître Yi, voilà, c'est ça. Et je te dis que oui, il n'y a pas de souci. Qu'il n'y a pas de souci, voilà, si jamais vous, là, toi qui es dans ton écran, tu veux que je fasse un test d'un champion, mais il n'y a pas de souci, tu me le demandes. Si j'aime bien un champion, il n'y a pas de souci, je le ferai. Hein, mais... Donc voilà, n'hésite pas à demander. Hein. Mieux vaut essayer, de toute façon. Donc voilà, donc on est dans une mode, dans la map Forêt Torturée. Donc c'est la map 3v3 de League of Legends. Mais là, on est en fait, je fais du 2v2. Donc là, je suis avec un pote qui s'appelle Super Maro, donc qui s'appelle Omar. Et, donc voilà, il débute un peu sur LoL. Donc si jamais vous voyez qu'il meurt quelquefois, donc c'est... C'est pas grave, c'est juste voilà que c'est ses débuts, donc faut pas trop le juger, voilà. Donc le mode 3v3, c'est un mode où on doit... Oh là là, il y en a deux au-dessus, bah vous savez quoi, on va monter au top. Donc le mode 3v3, c'est un mode où... oui, c'est 3 personnes contre 3 personnes, mais là j'ai fait en partie personnalisée, donc ça veut dire qu'on est 2v2. Oh attention, Maru va peut-être faire le premier. Ah bah non, on va pas faire le premier. Donc on a en fait des hôtels, donc il y a un système d'hôtels qui peut nous faire gagner des PO, donc de l'argent, en gros de la monnaie. Allez toi je vais te faire peur. Mais je vois que je suis un peu fou, donc je vais... Oh là là, ça commence déjà très mal. Non, non, sinon... Eh ben c'est t'as fait le first kill, voilà, bravo, j'ai mal joué, donc voilà. Ouais, voilà, voilà, tout, voilà. Ensuite, voilà, je vais un peu vous parler du stuff à prendre pour Nocturne. Bah, en fait, faut prendre du stuff qui donne du dégât et de la life. En gros, de la vie, du dégât. Bah, parce que, voilà, il est fait pour ça, il est... Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que j'allais en haut, au top. Et donc il est fait pour ça, et donc voilà, je joue, pour les objets, donc normalement il devrait s'afficher sur votre écran. Ou sinon, je les mettrai dans la description, je pense que normalement je devrais penser à les mettre... Et je les fais sur un bon espace, c'est pas grave. Donc là je suis un peu fou, donc je rush beaucoup trop. Enfin surtout contre les... contre eux, là, et contre les méchants. Contre les champions ennemis. Ouais je sais, c'est des erreurs que je fais assez souvent, je rush beaucoup trop contre eux. Donc la Miss Fortune, je te conseille pas de venir là. Hein. Ah, raté. Donc j'en étais à oui, donc j'étais en train de dire donc des objets, ouais, donc bah, ils seront dans la description. Sinon, je crois que je vais vite faire rapidement les rappeler. Donc au début, donc dès la early game, donc la début de partie, je vous conseille de prendre l'âme de Doran et une botte de vitesse, donc botte de vitesse normale de base. Et après le stuff de prendre couperet noir, comme ça vous donne déjà de la un peu de vie et du dégât. Je crois que ça vous donne aussi du dégât. Et voilà. Oulala, tout fait. Ah non, c'est même pas toi. Et donc voilà, donc c'est déjà un bon début de stuff. Et après je vous conseille de prendre Hydrovorace ou
ou c'était quoi déjà? Maillet gelé, voilà, donc l'ordre vous choisissez. Mais bon, moi personnellement, je préfère faire d'abord Hydrovorace parce que vous avez plus de facilité après pour faire maillet gelé que quand vous prenez. Oulala. Oh, fuis, vas-y. Donc vous avez plus de facilité de prendre d'abord Hydrovorace et après maillet gelé, parce que quand vous prenez Hydrovorace, ça vous donne du dégât, donc ce sera plus facile pour vous de tuer des creeps pour avoir méchant, tu me rattraperas pas. Parce que moi je vais faire ça. Méchant, il y a le petit misfortune, le petit marou là qui me cherche. Bon, je sais quoi, on va pas back parce que j'ai pas assez de. Non, mais arrête de foncer sur moi là. Je m'en fous, il y a mon allié, on va de Ken. Eh oui, joli Léona. Bien joué. Donc là, je te conseille de pas t'approcher, marron là. Tu me cherches, c'est ça? Donc voilà le stuff, bah j'ai fini avec ça. Ouais, je crois. Normalement, oui. Donc en gros, si vous voulez pas prendre vraiment tous les objets que je vous ai conseillés, bah voilà, en tout cas, je vous conseille déjà de prendre du dégât et un peu de vie. Et donc voilà. Donc petite précision sur les 50 abonnés, donc ils approchent à grands pas. Et donc bah voilà, je vous remercie déjà de me suivre. Donc il y a déjà quelques personnes qui me suivent vraiment depuis le début et qui sont des sérieux, t'as déjà directeur une toile. Qui me suivent depuis le début, donc voilà, je les remercie beaucoup. Je vais pas les citer parce que sinon j'en ai pour une tripotée. En tout cas voilà, je les remercie, je vous remercie à vous aussi de me suivre. Donc pour les 50 abonnés, bah, je vais faire une vidéo, une grosse vidéo, donc je pense que je vais faire au moins une heure la vidéo, voire plus. Et puis je pense que je vais faire un concours, donc je pense que ça va être sur... Ah, bien joué. Ça va être sur... Oulala, faut pas que j'essaie de me fighter contre Trundle, là, c'est pas une bonne idée. Joli! Bien joué. Donc, je dis bien joué à des bots, mais en même temps, voilà, quoi, ils sont là pour t'aider, pour faire des kills. Donc, je dis un peu de la merde. Donc 50 abonnés, vidéo 50 abonnés, ouais, voilà, je vais faire un concours, je pense, pour gagner le jeu Dota 2. Donc, je vais faire gagner 5 clés pour le 5 clés pour le jeu. Donc voilà. Et je vais me faire un petit double kill, c'est rigolo. Donc j'espère que ça vous fera plaisir que je fasse un petit concours dès mes 50 abonnés. Donc comme normalement je pense que ça devrait vous faire plaisir, hein. Ça ne devrait pas vous faire pleurer. Peut-être pas rigoler, mais bon voilà, ça peut être sympa. Et donc voilà. Donc j'avais aussi un peu envie de vous parler du jeu en lui-même. J'avais envie de vous parler, toi tu touches pas mon allié, des termes de League of Legends, en gros de ce qu'on dit pendant les parties, parce qu'avec Boran, voilà, on dit des termes que vous comprenez pas forcément, donc voilà, il n'y a pas aussi le vocabulaire, le début du vocabulaire de League of Legends. Donc je vais un peu vous dire tout ça. Mais je vais commencer par l'ace. Donc qu'est-ce qu'un ace? Bah l'ace, c'est même Omar, je l'ai dit. Maintenant il le sait par cœur, je parie, je lui ai carrément fait un test ce midi au collège. C'est assez marrant. Il a eu une bonne vingtaine de fautes, mais c'est pas grave. Donc un ace, bah qu'est-ce que c'est? Bah c'est qu'en fait vous tuez le dernier ennemi en jeu. Donc dernier ennemi.